Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 janvier 2021 et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer Oracle Linux 8 dans une machine virtuelle et, une fois le système installé, procéder à la post-install, activer le dépôt qui va bien pour avoir un peu plus de logiciels, installer quelques petits outils et faire un petit peu d'optimisation du système. Oracle Linux, c'est basé sur la Red Hat Enterprise Linux, ça suit donc le même rythme de développement. Oracle, c'est comme CentOS, hein, ils reprennent les sources de la Red Hat Enterprise Linux, et puis ils enlèvent les logos de Red Hat, ils ajoutent les logos Oracle, ils ajoutent quelques nouvelles fonctionnalités, un nouveau noyau, et puis ils remettent le tout dans une image ISO, et ils nous proposent ce système d'exploitation à l'utilisation dans un but serveur principalement, mais on peut l'utiliser en tant que station de travail, évidemment. Donc on a à nouveau un clone de Red Hat Enterprise Linux, on bénéficie gratuitement, sans souscription à une éventuelle licence, des mises à jour. Cependant, du support est disponible pour avoir notamment de l'aide, du support technique professionnel. Et puis, si on souscrit au support, on a la possibilité de mettre à jour le noyau et que le noyau soit patché sans avoir à redémarrer le système d'exploitation. Donc, on retrouve un clone de Red Hat Enterprise Linux comme on connaissait CentOS, sauf que depuis que CentOS s'est tourné du côté de CentOS Stream, la version 8 de CentOS a vu son support réduit de 2029 à 2021. On n'a plus les 10 ans de support avec CentOS 8. Là, Oracle Linux 8, on a les 10 ans de support et donc on est tranquille jusqu'en 2029. Donc, c'est une alternative à une Red Hat Enterprise Linux si on ne souhaite pas débourser d'argent pour utiliser ce système en ayant tous les bénéfices qui ont été créés par Red Hat, voilà, je cherchais le nom. Donc sur le site officiel de Oracle, là, Oracle Linux, yum.oracle.com, on peut aller dans la section Downloads ici. Là, on a plusieurs possibilités pour récupérer les images du système Oracle Linux. Hein. Donc on a des images Docker, on a des templates de machines virtuelles, on a même des images Raspberry Pi 3 et 4. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les images ISO. On a les images en x86-64, hein, donc le 64 bits tel qu'on le connaît actuellement, et puis on a des images ARM, ARCH64, pour de l'ARM 64 bits si on le souhaite. Donc Oracle étant, Oracle Linux bien sûr, hein, étant un clone de la Red Hat Enterprise Linux, on a le même cycle de développement. Actuellement, RHEL est en version 8.3, la dernière, là c'est pareil chez Oracle Linux. On a la branche 7 avec la dernière version 7.9 ici. Et puis la branche 6, bon, elle n'a plus de mise à jour depuis novembre 2020. Mais bon, si vous voulez récupérer l'image d'installation et installer une Oracle Linux 6, vous pouvez. Ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'il n'y a plus de support. Mais vous pouvez récupérer la branche 7 avec l'édition 7.9 ou la branche 8 avec la version 8.3. C'est ce qu'on utilisera dans le cadre de cette vidéo. Vous avez 4 images ISO disponibles, ces 4 colonnes. Le full ISO, c'est l'image qui contient le système d'installation plus tous les paquets pour pouvoir installer Oracle Linux en mode hors ligne. Donc l'image est assez grosse, hein, elle fait 9 Go, mais il y a vraiment tout dedans pour faire une installation sans avoir besoin de réseau. La boot ISO, c'est pour démarrer juste l'outil d'installation. Et puis après, l'installation se fait par le réseau. On a la UEK boot ISO, donc c'est la même chose que le boot ISO, sauf que c'est le noyau de Oracle qui va démarrer, le Unbreakable Enterprise Kernel. Donc ça, c'est le noyau d'Oracle qui est un peu plus récent que celui de Red Hat. Si jamais il y a un problème avec le noyau de base de Red Hat, matériel non supporté ou autre, vous pouvez prendre cette image boot ISO. Et puis la source ISO, c'est l'image qui contient tous les fichiers SRPM, donc qui sont les paquets RPM source. Ça, vous pouvez les avoir à dispo hors ligne. Donc ce qu'on va faire, nous, on va se connecter ici sur notre plateforme VMware. Et puis, on va installer notre Oracle Linux 8. Vous allez voir, il n'y a pas grande différence par rapport à l'installation d'une Red Hat Enterprise Linux 8 ou d'une CentOS. Dans une vidéo précédente, j'avais mis cette machine virtuelle ici, SRV Web 01, je vous ai expliqué la création d'une VM et j'avais créé cette machine. Maintenant, il est temps d'installer le système. Donc, j'ai chargé l'image Oracle Linux 8 R8, donc révision 8 Update 3, donc la 8.3 ici. Et je démarre la machine virtuelle. Et on va voir comment ça fonctionne l'installation. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, l'image démarre ici. On a la possibilité d'installer Oracle Linux, de tester le média et de l'installer.
Et puis on a une section troubleshooting où on va pouvoir installer Oracle Linux avec un pilote vidéo générique assez basique, des fois qu'on a un souci d'affichage, et puis on va pouvoir réparer un système Oracle qui serait éventuellement installé depuis le live là. Donc là, je démarre sur Oracle Linux direct. Vous voyez que ma machine virtuelle a l'UEFI et le Secure Boot d'activer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Red Hat, avec sa Red Hat Enterprise Linux, supporte parfaitement l'UEFI, ça quasiment la plupart des distributions, c'est OK, l'UEFI, mais Red Hat Enterprise Linux, et donc Oracle Linux, supporte le Secure Boot, donc cette fonctionnalité n'est pas forcément à désactiver sur votre machine, hein, c'est supporté, hein, c'est pas réservé à l'utilisation de Windows, il n'est pas nécessaire de désactiver le Secure Boot pour utiliser Oracle Linux. Ça fonctionne très bien avec. Et d'ailleurs, vous allez voir en démonstration ici. Donc, on retrouve là Anaconda, qui est l'outil d'installation de Fedora. Bon, il y a juste le logo ici, Oracle, à la place du logo de Fedora ou de CentOS. Voilà, c'est la personnalisation qui est faite, mais on retrouve tous les outils de Red Hat. Donc, ici, on retrouve l'assistant d'install. Première chose qu'on va faire, c'est on va connecter le réseau, puisque par défaut, ici, le réseau est désactivé. Ça, c'est quelque chose qui est propre à Red Hat Enterprise Linux. Le réseau est désactivé. C'est à nous de le paramétrer comme on le souhaite. Donc, on va mettre un nom d'hôte à la machine. On va configurer le réseau. Donc, vous voyez, c'est l'interface de Network Manager. Hein, rien d'extraordinaire. On a bien les mêmes choses que dans Red Hat Enterprise Linux et dans CentOS. Il n'y a pas de changement là-dessus. Ok, je vais mettre un DNS. Ici, ok, et puis je vais démarrer automatiquement la connexion. Yes, et je l'active ici. Nickel. Donc ça, ok, le réseau est opérationnel. On a KDump, donc KDump, c'est un mécanisme qui permet de capturer plein d'informations quand le noyau il crash. Donc ça, je le désactive systématiquement. On a l'option politique de sécurité. On va pouvoir sélectionner un profil de sécurité sur le système, donc ça c'était pas très bien fonctionnel sur CentOS, là c'est disponible sur Oracle Linux, on va pouvoir activer d'éventuelles politiques de sécurité suivant des normes ici, donc là je vais pas en activer de politique, mais c'est possible ici. Sur la partie gauche ici, localisation, bon ben on a le clavier, le support de la langue, la date et l'heure, donc maintenant qu'on a du réseau, on va pouvoir se mettre ici et bien vérifier que leur réseau est synchronisé avec un serveur NTP, cool. Là, je vais faire le partitionnement. Donc, on retrouve l'outil de partitionnement de Fedora, de Red Hat, de CentOS, c'est le même. Donc, ici, regardez, je vous mets création des partitions automatiques. On a du LVM, du XFS, et ici, j'ai la possibilité de mettre de la partition standard, de la location fine LVM, et quand je suis en LVM ou en partitionnement standard, peu importe, en système de fichiers, j'ai du XFS et de l'EXT 2, 3 ou 4. Point, je n'ai pas de BTRFS. Le support BTRFS qui a été supprimé chez Red Hat Enterprise Linux n'est pas réimplémenté chez Oracle Linux. Donc je vais faire mes petits paramétrages qui vont bien. Hein. Je vais appeler mon volume group rootvg aussi grand que possible. Donc là, moi, j'aime pas comment le partitionnement il est fait. Donc je passe sur de l'XT4. Vous savez, j'aime bien le XT4 ici. Donc 5 gigas pour root LV. EFI à 600 mégas, ouais, bon, ok, d'accord. 1 giga pour le boot, pourquoi pas. Le swap, 1 giga, ça suffit. De toute façon, un serveur qui swap, c'est pas bien. Donc, on en met un tout petit peu par précaution. Vu que c'est un serveur web, je vais mettre un var www à 5 gigas. Et puis, on agrandira si besoin plus tard. Donc là, je me remets en EXT4, www.lv. Je vais installer probablement une base de données, donc MySQL. Je prévois ici 5 gigas pour le point de montage de la base de données, SQL LV ici. Je vais rester en XFS, c'est plus performant sur la base de données. Je vais mettre un var séparé à 5 gigas. On agrandira si besoin la partition. Enfin, le volume logique, et puis je vais faire un home. Alors normalement, on n'a pas besoin d'un home sur un serveur, j'en fais toujours un de 1 giga, des fois que je stocke des fichiers dans mon home, j'ai pas envie que ça prenne plus que 1 giga, ok.
Donc là, j'évite dans le home de remplir la racine de mon système. OK. Donc là, mon partitionnement, il est fait. J'ai bien 26 gigas qui me restent. Donc là, on a le récap. Très bien, accepter les modifs. On va créer un compte administrateur. Ici. Et puis, je vais créer un compte utilisateur classique, Adrien. OK. Et voilà, donc ça a rien d'extraordinaire. Et là, bien sûr, j'ai oublié de vous montrer un truc, mais il faut sélectionner ces logiciels. Donc là, on a la possibilité de sélectionner une installation d'un serveur avec interface graphique. Donc moi, j'aime pas l'interface graphique. On a serveur tout seul. Donc là, c'est le serveur avec les outils qui sont déjà intégrés. OK. Installation minimale, ça, c'est comme j'installe toujours mon système avec une installation standard d'Oracle Linux. Donc ça m'installe quelques petits outils qui vont bien. Je coche agent invité, puisque ça va me permettre d'installer les OpenVM Tools et donc que les informations sur le réseau soient remontées à VMware ici. Station de travail, c'est pour installer une Oracle Linux avec l'environnement de bureau GNOME. Donc là, c'est l'environnement de bureau GNOME et pas un autre. On n'a pas le choix de l'environnement. Vous savez, Red Hat Enterprise Linux, c'est GNOME et c'est tout. Ils ont choisi un seul environnement de bureau, mais qui est bien intégré avec l'ensemble des applications. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est GNOME ou rien. Et puis, on a la possibilité de sélectionner hôte de virtualisation si on veut transformer ce serveur en hyperviseur avec toute la pile KVM, enfin toute la virtualisation libre Linux. Et puis, Custom Operating System, c'est un bloc qui va nous permettre de personnaliser notre système. Donc, à gauche, l'environnement de base obligatoire à sélectionner et à droite, les logiciels facultatifs qu'on va pouvoir ajouter sur notre installation. Par exemple, si je prends station de travail, vous voyez, je peux ou non installer les applications GNOME en plus, ou non installer des applications Internet, ou non installer la suite bureautique. Voilà, donc j'ai le choix et puis je peux sélectionner tout ça ou rien ou OK. Vous voyez, c'est à la carte, j'installe ce que je veux ici. Donc moi, c'est installation minimale, standard agent invité, fait. Et donc là, cette fois-ci, je commence l'installation. C'est parti, je vous accélère la vidéo et puis je vous reprends une fois que l'installation est terminée pour faire la post-install ensemble. Ok, donc le système, il est installé. Maintenant, on va le redémarrer, procéder au premier redémarrage. Et puis après, je vais me connecter en SSH sur le serveur directement. Donc vous voyez ici, je mets en pause. Là, on a Oracle Linux Server 8 avec le noyau 5.4 EL8UEK. Donc ça, c'est le noyau fourni par Oracle. Et là, on peut démarrer quand même avec le noyau de base de Red Hat, le 4.18.0. Donc là, je démarre sur le noyau 5.4. Et puis, je vais me connecter sur la machine. Hop, ici. Ok. Et voilà. Et là, je suis sur la machine. Donc, première chose qu'on va faire, sudo-i. On va se connecter en super utilisateur. Et on va faire une petite modification que je fais toujours sur mes machines dans etcdnfdnf.conf. Ici, on va aller mettre une petite ligne fasttest mirror égale true, histoire de dire à DNF, écoute, parmi la liste des miroirs que tu connais, merci de choisir le miroir le plus rapide. Et maintenant, on fait une mise à jour avec DNF upgrade, classique, ok. Donc vous voyez, les dépôts d'Oracle sont triés comme sous CentOS, hein. On a ici le Oracle Linux 8 Base OS, donc là où il y a tout ce qu'il faut de base. On a le dépôt Upstream, où on a toutes les applications qui vont être dedans. Et puis, on a le UEKR6 ici, donc là, c'est tout ce qui va correspondre au noyau, au fameux Unbreakable Enterprise Kernel. Et donc là, on a les logiciels qui vont ici découler de tout ce qui va être noyau ici. Donc là, XFS Prox, ça va avec le support de XFS dans le noyau. Vous voyez ici, on a le kernel UEK qui s'installe ici.
Hyperoute, il est là-dedans aussi, forcément. Donc là, hop, ça c'est vite téléchargé. On valide l'installation. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Vu que j'ai coché à l'install, vous savez, j'ai coché agent invité là. Et ben, si je reviens ici sur la vue, regardez, les VMware Tools se sont automatiquement installés. Alors c'est le paquet Open VM Tools hein, qui s'est installé. Et vous voyez, l'adresse IP elle est remontée, le nom d'hôte de la machine est remonté. Donc ça c'est vraiment cool puisque on a les VM Tools qui se sont installés. Donc le support il est direct pris là dans VMware. On n'a pas besoin d'ajouter un paquet manuellement. Donc là je vais mettre juste root comme d'hab pour mes mots de passe. Adrien comme d'hab. Et puis je prévois peut-être éventuellement SQL des fois que je crée 10 identifiants pour une base de données. Je mettrai les comptes que j'aurais créés ici. Donc là, j'ai plus besoin moi de la partie VMware. Je vais laisser les mises à jour s'effectuer. Et je vous reprends une fois que c'est terminé. Puis on va explorer ensemble un petit peu cet Oracle Linux. Et on va voir comment ajouter le dépôt EPEL par exemple. Et puis ajouter quelques petits outils supplémentaires. Cool, donc notre système il est à jour, je reboot, allez, on va le faire à la systemd quand même, systemctl reboot, c'est plus élégant hein, qu'un simple reboot, quand même. Donc je vais attendre juste que le système se relance. Bon, c'est assez rapide, hein. Les VM sont sur SSD. Ok, donc là on est bon. Je me reconnecte ici. Et donc, je repasse en route pour la démo. Donc, j'efface l'écran, histoire d'être à peu près clean sur la console. Donc, si je vous fais un petit cat etc os release, vous voyez qu'on est bien sur une Oracle Linux Server version 8.3. Donc, on est bien sur Oracle Linux. Vous voyez, on a même les infos sur le bug report ici. J'ai par défaut SE Linux qui est activé. Donc ça, c'est nickel. Il est bien en mode enforcing. Donc on a vraiment une Red Hat Enterprise Linux, mais sous le nom d'Oracle. Donc le dépôt incontournable qu'il est important d'installer, c'est EPEL pour Extra Packages for Enterprise Linux. C'est un dépôt qu'on peut ajouter sur CentOS en faisant un DNF install EPEL release, sauf que ce paquet EPEL release, il n'existe pas chez Oracle, puisque en fait, Oracle fournit lui-même son dépôt EPEL, hein, sur ses dépôts Oracle lui-même, et donc on pourra installer directement ce dépôt avec le paquet Oracle EPEL release-EL8. Et donc là, ça va nous ajouter le dépôt EPEL, où en fait, Oracle va directement reprendre des paquets de EPEL qui va les incorporer dans son propre dépôt. Et donc, si je vous fais un petit DNF upgrade, ici, upgrade, vous voyez, ici, on a Oracle Linux 8 EPEL Packages for Development. Et donc, à partir de là, si je veux installer Screen, htop, nmon, les petits outils que j'ai l'habitude d'installer, et bien boum, je vais pouvoir les installer, et vous voyez, ils sont en provenance de ce dépôt Oracle EPEL, donc c'est vraiment un truc qui est hébergé chez Oracle. Mais au moins, on est dans un ensemble cohérent, et on sait que des paquets qui sont dans le dépôt EPEL de Fedora Project ou autre pourraient peut-être ne pas fonctionner avec Oracle. Là, au moins, Oracle recentralise tout ici. Et donc, on a ici ben, notre système Oracle qui est fonctionnel et qui est prêt à justement accueillir notre serveur web. Yes. Et donc, ce que je vous disais, DNF module list, hein, là, on a à disposition, donc je vais vous mettre un peu plus petit, sinon le tableau il est trop grand, mais on a dans notre Oracle Linux 8, ici, vous voyez, on a les modules, donc on va pouvoir installer PHP en version 7.2, 7.3 ou 7.4, PostgreSQL, on peut l'installer en version 9.6, 10, 12, ok, on peut switcher, on peut avoir Python 3.6, Python 3.8, Ruby, on peut l'installer en 2.5, 2.6, 2.7, bref, on a cette flexibilité d'installation de versions de certains logiciels.
donc on ne retrouve pas forcément sur Debian, si ce n'est qu'il faut aller bidouiller dans les dépôts. Donc là, pareil, Perl, hein, vous pouvez installer la version 5.24, 5.26, 5.30, vous installez celle que vous voulez. Ces trois-là sont disponibles, donc on a du choix ici. Et c'est vraiment cool, donc on a tous les avantages de Red Hat dans une distribution Linux totalement complète et fonctionnelle. En tout cas, je vais me déconnecter de cette machine, j'en ai plus besoin, j'ai terminé cette vidéo, on ira plus loin sur cette machine, mais dans le cadre d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets bien sûr le lien du site Oracle Linux dans le descriptif de la vidéo, ça va de soi. Allez, ciao ciao.